Quel sentiment trouvez-vous de présenter votre film dans cette salle mythique? C'est comme j'habite depuis un an à La Ciotat, c'est particulièrement c'est agréable parce que j'y viens, j'y passe devant tout le temps et en plus c'est une salle mythique, donc c'est à la fois la maison et à la fois une salle qui a toute l'histoire qu'elle a cette salle. Donc, et en plus c'est un peu à la fin des 2 ans. Du parcours du film, et donc ça c'est une très belle clôture aussi pour moi de venir là où j'habite maintenant montrer ce film, donc j'en suis ravi. C'est vrai que c'est impressionnant, surtout quand on voit les invités qui sont passés avant et quand on sait que toute l'histoire qu'il y a derrière les Frères Lumière, tout ça, c'est sûr que ça fait un petit effet. Moi, je connaissais pas trop La Ciotat, je pensais pas qu'il y avait encore cette culture autour du cinéma et qu'il y avait autant de personnes qui étaient passées dans le cinéma d'Éden encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je suis très contente d'être ici ce soir. Donnez-nous 3 raisons d'aller voir votre film. Alors. Parce que je pense qu'il va vous surprendre de plusieurs façons, peut-être inattendu. Parce que je pense qu'il peut, en tout cas en 2 ans de vie du film, d'habitude, il donne des émotions aux spectateurs. Je pense qu'on va au cinéma pour avoir des émotions. Et la troisième, c'est parce qu'on l'a fait avec beaucoup d'amour. Et c'est un film d'amour aussi, donc voilà, pourquoi pas. Je vais voir Blanc 25. J'ai un peu bougé, j'étais un peu aux États-Unis, puis je suis rentré en Italie. 3 raisons. Je pense que c'est une histoire d'amour qu'on a écrit avec beaucoup de sincérité et qu'on a fait avec beaucoup d'amour. Donc je pense que ça se ressent un petit peu en le voyant. Mais je pense aussi qu'une autre très bonne raison d'aller voir le film, c'est que ça parle de personnes vraies. Enfin, on s'est beaucoup inspiré de personnes qu'on connaît vraiment, de notre entourage, et on a été honnêtes. On l'a fait avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de cœur. Et puis une troisième raison, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne s'ennuie pas tant que ça dans le film. On a essayé d'avoir des petites doses de thriller. Juste allez le voir et puis faites-vous votre avis.